Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui permet que, à soyez encore pour la troisième fois cette semaine, nous encore en présence li. Nous en présence li, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis, mais son faveur. Il y a un pile de monde qui a commencé la journée, mais qui n'est pas là, qu'on y est là. Et peut-être qu'un pile de monde qui est sorti, à question de rentrer la caillou, mais vous pas rentré. Peut-être que c'est l'ambulance qui prend yo pour me donner l'autre côté, mais moi avec vous, bon Dieu permette que nous là et que nous vivons toujours. Amen. Et c'est pas courage non, c'est pas avec intelligence non, c'est simplement parce que bon Dieu fait nous faveur. Vous voulez qu'on reconnaissant envers bon Dieu et au sensible aux bontés de l'Éternel envers vous-même. Jean que frère Fanex fait nous songer depuis dimanche soir nous là. Nous t'ai réfléchi avec vous sur cette déclaration du prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et hier soir, nous t'avons encore un calendrier en suspense. C'est-à-dire, un calendrier qui commençait à exécuter. Il arrivait sur 69e semaine, non? Et puis il posait, il campait là. Et puis, un bon événement qui prend place dans l'intervalle avant que le calendrier continue à faire chemin pour que la dernière semaine de l'histoire de l'humanité soit capable de continuer. À soya, je voulais entretenir, ou je m'étais annoncé ou déjà dimanche soir, sur les événements précurseurs du temps de la fin. Temnan dit, préparons-nous car Christ est à la porte. Parlant de Christ qui est à la porte, c'est dire que le monde va toucher à sa fin. Maintenant, avant Christ venir lui-même, il y a des choses que te dit qui doivent passer avant l'heure. En nous essayer de considérer à ce moment-là. Le texte de base se trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24. On lira du verset 3 jusqu'au verset 14. Moi, invité au campé pour adorer le Seigneur à travers la lecture méditative de sa parole. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Il, Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est la parole du Seigneur. Plaise à Dieu de bénir sa lecture et son écoute pour notre parfaite et entière édification. Merci, veuillez vous rasseoir. Les événements précurseurs du temps de la fin.
bagay ki gen pou pase pou di nou ke denye jwa vanse rive, ou sinon preske rive. Chers amis, l'idée de la fin du monde a toujours préoccupé l'histoire du monde. Aussi longtemps que le monde est vieux, l'homme de la loi Moïse, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont tout essayé ouais, si ils étaient capables de pointer les yeux dans les profondeurs de la connaissance pour déterminer ces choses que moi avec vous, nous à vivre. Et d'autres que nous ne pouvons pas vivre et qui ont gagné pour passer. Mais hélas, ils ont tous mouru sans avoir vu ce qu'ils ont annoncé, sans avoir vécu ce qu'ils ont prophétisé. Parce que bon Dieu, dans sa sagesse, t'es fixé un temps pour chaque bagaille. Et aucun monde pas qu'à précipiter temps, pas qu'à pousser temps pour faire aller plus vite. Parce que le monde qui a contrôle tant dans maintenant, il y aurait l'éternel des armées. Et pas inquiéter, pas un jour avant, pas un jour après, sa bouche lui dit, mais elle a accompli quand même. Il était pour moi-même avec ou pour nous seulement les yeux nous l'ouvrir. Même Jean que l'ange te dit ça à Daniel, pour nous capables l'ouvrir l'esprit, nous pour nous tendre les bons dieux à parler avec nous, et pour nous capables sensibles aux avertissements que l'Éternel mettait sous chemin. Nos textes que nous sommes lire là, nous joignent que les disciples les plus rapprochés de Jésus-Christ, ils ont même tout cœur troublé. Yo même tout l'esprit yo a bouleversé lorsque y a tendé des choses qui gen pour arriver. Jésus qui gardait Jérusalem et qui prononçait sur Jérusalem des paroles fatidiques. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Ça fait un songer, pas vrai? Le texte d'Amos chapitre 4 que nous te voyons dimanche soir. Combien de fois bon Dieu parlait avec vous, mais malheureusement, vous n'avez pas jamais entendu? Et nous te voyons ensemble les différentes façons que bon Dieu t'a utilisé pour te parler avec le peuple. Et le refrain revenait toujours, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et c'est alors, voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Laissez-moi reprendre ni pour vous. C'est Matthieu chapitre 23, le verset 39. Vous ne me verrez plus désormais. Qui est-ce qui a parlé? C'est Jésus-Christ. Il parle à qui? Il parle à la nation d'Israël. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ça veut dire, yo pape, j'aime face Jésus encore jusqu'à ce que yo va dire ça. Et ce refrain de béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, il pas fait référence. Il pas fait référence à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Parce que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, t'es déjà passé déjà. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 21, vous pouvez que l'entrée est faite déjà. Et qu'on y est, c'est dans Matthieu chapitre 23, nous y est, dans la succession des choses. Ça, Jésus dit là, il pas fait référence au passé, il fait référence à un bagage futur. Et Jésus, dans ce chemin qui va droit vers la croix, il pourra le mourir, il pourra le ressusciter, il pourra le monter dans le ciel là. Ça veut dire, effectivement, la nation juive, pape, j'aime Jésus encore. Qu'il est à gagner puis ouais Jésus face à face encore, c'est lorsque Yah va dire, béni soit celui qui vient au nom. Mais avant pour s'arriver, parce que
dans Apocalypse chapitre 11, il parlait de ces deux témoins que bon nous que manifestation yo, je veux me garder ce soir de ne pas vous entraîner dans tous les méandres de la Bible. M'pa vle faire trop commentaires sur des textes, bien que textes difficiles et que on demande explication parce que hier on était allé jusqu'à une heure. Moi vle vous yo aller bonheur parce que me connais. Vous faites journée à travail ou vinou fatigué au besoin font petit reposer pour lever bonheur encore pour bail blanc l'air. Donc vle vous aller bonheur la caillou. Mais on doit considérer ça qu'il t'a dit hein. En Matthieu, alors en Apocalypse chapitre 11, il parle de ces deux témoins. Et lorsque vous regardez les caractéristiques de ces deux témoins, dans la prédication, ils ont fait image de ce que Moïse te qu'on fait, l'homme de la loi, le symbole même de la loi, et ils ont fait image tous de sa prophète Élie te qu'on fait, l'image des prophètes. C'est tant qu'on t'a dit ou que, il voulait dire que c'est la loi et les prophètes qui ressuscitaient pour prêcher l'évangile. Or, parlant de la loi et les prophètes, ça fait référence à l'Ancien Testament. Parlant de l'Ancien Testament, pas que l'autre peuple nous est, c'est le peuple d'Israël. Et c'est là, au cours de la première moitié de la 70e semaine, que l'événement ça a pris en place. Pour qu'on arrive là, n'a pas fini là dans la semaine. Je souhaitais qu'on retourne encore. Mais en nous, ça concerne nous, avant la 70e semaine, ça arrivé. Juste essayer de faire comprendre, texte nous sorti, le côté le sorti, c'est à partir d'une déclaration que Jésus fait pour dire que peuple juif, le peuple, j'aime moins visage li encore, jusqu'à ce qu'il va crier, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Disciples, ils attendaient ça, qu'ils ont troublé. L'esprit a sauté, il a obligé à demander Jésus en aparté qu'il est bagaille. Ça parle lui. Et puis Jésus dit, pas qu'à dire nous qu'il est. Parce que même moi-même qui a parlé avec nous là, pas qu'on elle. C'est celle papa qui connaît elle. Parce que c'est lui qui met le temps, qui fixe le temps pour ça. Cependant, m'kaban nous quelques signes qui permettent de nous réaliser que temps va s'arriver. Mais qui ça n'a pas gagné pour nous? Un, il y a l'accomplissement des prophéties concernant les dernières puissances mondiales qui sont en pleine exécution. Il faut toute une soirée pour parler de ça, puisque il répétait à deux reprises de la prophétie de Daniel. Il répétait d'abord dans Daniel chapitre 2 et ensuite il répétait dans Daniel chapitre 7 sous deux images différentes. Ma bon petit résumé tout petit là dans lui et puis n'a pas aller. Dans Daniel chapitre 2, ça qui t'est passé. Ou a couché, li dormi, li fait rêve. Il réveillé, il oublié rêve là. Et puis il relait tout gros magicien lui pour venir faire songer rêve il te faire. Personne pas qu'à faire songer rêve là. C'est alors que Daniel, après recevoir révélation de bon Dieu, pour le dire, ouais, mais qui rêve ou t'es fait. C'est que pendant qu'on a dormi, on rêve, une grosse statue qui paraît devant, et statue t'es fait au paix. Tête statue t'es faite avec l'eau pure. Poitrine t'es faite avec argent, et les bras, avec argent. Et ensuite, toi, vote avec cuisse, t'es fait avec airain, bronze, alliage de cuivre et d'or. Et puis il dit, jambes, yo, avec pied, yo, rivé dans les orteils, yo, t'es fait avec fer et avec argile. Alors, les jambes sont de fer, et puis les pieds, ils ont parti en fer et ils ont parti en argile. C'était rêve ça que roi t'a fait et puis oublié. Daniel, nous seulement, fait roi songer rêve là, mais tout, il baille explication rêve là. Et c'est à partir de ce premier pas de Daniel, n'a pas comprendre tout le reste là. Le Daniel a baille explication, il dit, mon roi, c'est vous-même qui t'êtes d'or là. C'est-à-dire, il représentait l'empire babylonien, qui était à la mode dans la période ça. Mais Daniel tout dit,
après où pour gagner l'autre nation qui va venir. Et ouais que gagner un dégringolade qui fait. Autant que la descente, ou après métal yo a vinn pi dur, mais qualité yo diminué. Oh, on a quitté ça. Trop de choses à dire. Mais ça qui est certain, c'est que dans le cours de l'histoire, pour nèg savé dans l'histoire ancienne, ou ap songe que l'empire babylonien qui a commencé en 606 avant Jésus-Christ, te prend fin en 539 avec le rêve de Nebuchadnezzar lorsque parole te dit mene mene tekel ufatim et Darius le Mède te prend place li en 539 avant Jésus-Christ. Tout comme l'empire des Mèdes et des Perses parti de 539 avant Jésus-Christ, la pral prend bout de tout en 331 lorsque le fameux Alexandre le Grand, le Grec, a pral banni la domination des Mèdes et des Perses et puis il pral instaurer puissance pâle. Et encore avec le général Pompée en 168 avant Jésus-Christ, le général Pompée pour bannir la domination grecque à la tête de l'armée romaine, là pour prendre domination. Et cette domination romaine pour durer de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, l'âge du Moyen Âge, parce que le Moyen Âge commence en 476. Bon, on a quitté ça, c'est trop histoire. Maintenant, pas oublier que la tête c'est d'or, Babylone. Et Paul avec Braio, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Et ensuite, Ventlan avec Cuislan et Ré, c'est l'empire grec. Et enfin, Féa, qui désignait l'empire romain. Mais pas oublier qu'en bas, jambes, il y a qui ça gagne, les pieds. Et pieds, il y a même qui a gagné 5 orteils dans chaque branche. Et c'est ça qui pourrait faire que à l'effondrement de l'empire romain en 476 après Jésus-Christ, ou pour aller venir les 10 grandes nations puissantes qui te prennent naissance sur la terre habitée. Par exemple, nous songeons pour nous qui font dans affaires histoire, il y avait les Saxons. Nous avons étudié dans l'histoire générale en Haïti. Bah, on ne sait pas qu'on savait étudier, mais en tout cas, il y a une histoire générale. Tout, on a eu les Saxons qui prennent naissance à la nation anglaise, tout comme il y a les Francs qui prennent naissance à la nation française. Tout comme gagner les Allemands qui pourraient bâiller naissance à la nation allemande, ou pourraient gagner les Visigoths qui pourraient bâiller naissance à la nation espagnole, ou pourraient gagner les Suèves qui pourraient bâiller naissance à la nation portugaise, tout comme vous pourraient gagner les Lombards qui pourraient bâiller naissance à la nation italienne, ou pourraient gagner les Burgondes qui pourraient bâiller naissance à la nation suisse, et les trois dernières, les sept Saokemdoula, sont sept nations européennes. Les trois dernières pas existé encore, ce sont les Érules, les Vandales et les Ostrogoths. Bon, ça a même mieux passé. Sauf que je vous dis que statue hein, commencé dans tête là juste arrivé dans orteil yo, yo continuer exister jusqu'après. Et songez que à la fin histoire là, il parlait d'une pierre qui sans le secours d'aucune main après elle frapper statue à nan jamni et puis elle craser elle fait miette mosso et que toute poudre statue après elle éparpillée juste dans dernier bout là. Effectivement, ces nations sont éparpillées à travers le monde, pas vrai? Est-ce que pas éparpillées à travers le monde vrai? D'accord. Maintenant, qu'arrive-t-il à cette pierre? Cette pierre est devenue aussi une grande montagne qui remplit tout là. Et que Daniel dit, grande montagne ça, c'est le royaume du Christ. N'est-ce pas vrai que le royaume du Christ remplit toute la terre? Ce n'est pas sans raison, dans le dernier verset texte que je vous lis pour vous, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Jésus pas qu'a venu tout autant, royaume non pas, couvrir tout là. Mais là, on commence à être clair, pas vrai? Est-ce que effectivement l'évangile peut couvrir toute la terre? Ou qu'arrive à jouer quelques grains de monde, individus,
qui porte autant de l'évangile. Mais pas gagner aucun peuple qui existait dans le monde actuellement qui pas attendait l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile rentrait dans tout pays. Ça, c'est certain. Pour qui raison? C'est parce que pas gagner actuellement aucun pays encore qui peut découvrir. Mais ils ont monté en l'air avec un gros satellite, gros radar, depuis ce côté qui a un petit morceau qui semblait acter, ils ont descendu à le prendre. Ils ont descendu à le prendre. Mais ils arrivent juste dans la tête Paul là. On connaît cette glace qui gagne. Ils arrivent à mettre les mains là-dedans. Par exemple, ils ont regardé dans le cadre du monde. Ils ont regardé le Greenland. Ils ont juste dans la tête dans, presque dans close avec l'océan glacial arctique. Ils arrivent jusque là. Pour aller prendre terre, aller derrière bien, aller derrière richesse. C'est une façon pour dire que le monde maintenant est totalement découvert. Et que la gloire de Dieu arrive dans toute zone ça. Ça a son premier signe qui dit nous que le temps est proche. Ça a son premier signe. Voyons d'autres signes que Jésus lui-même, il parlait d'ailleurs dans le texte que nous sommes là, dans Matthieu chapitre 24. Il parlait par exemple hein, qu'il y aura des guerres. Regardez verset 6 et verset 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il pas dit automatiquement qu'on entend de guerre avec bruit de guerre, c'est la fin, non? Il dit ça y doit arriver avant. Arrêtons. Est-ce que pas qu'on gagne la guerre longtemps? Hein? Oui, tu es toujours gagné la guerre. Cependant, n'a vivre dans un monde, dans un temps qu'on est là. Côté la guerre, vient paraître plus généralisée et répétée plus souvent. Pour ne pas dire que actuellement, il y a des zones dans le monde qui sont en guerre. Actuellement, l'on ouvre la télévision où est tout ça qui a passé dans le monde, particulièrement dans le Moyen-Orient. Actuellement, il y a des bateaux de guerre qui en route pour aller bombarder petit bon Dieu de l'autre côté. Donc, nous vivons dans un monde en guerre. Sans compter de l'autre aspect de la guerre que nous ne pouvons pas rentrer trop là dans lui, c'est ce phénomène qu'on appelle le terrorisme. Et chers amis, il passe en surprise pour dire que il y a plus d'une dizaine d'organisations terroristes à travers le monde qui ont tout essayé de militer pour mettre toute connaissance ensemble dans le seul dessein de détruire ce monde. Ça qui vient de rendre le monde comme espace qui est plus fragile pour nous rester. Et moi, je ne garantis pas comprendre ou bien assurer, quel que soit côté qu'on y est. Parce que si tu es un côté que tu es sûr dans le monde, nous ne pouvons pas connaître ça que nous te connaissons en 2001. Pas besoin de dire tout bagarre là-dedans. Ça, c'est une façon pour dire par aucun côté, voici. Et faut ta fait journal bien pour t'attendre des rapports d'investigation. Pour ta connaître là dans New York City, à combien de complots que monsieur la police nous yo, bravo pour yo, a découvert jour après jour. Pendant ou a couché dormi, pendant ou a point à yo, pété coup par contre, ça que t'es paré pour la dan. Yo risque vie yo. Pour protéger moins avec ou qui pas de moyens pour ça. Ah, nèg yo chercher et yo joine. Ou capable arriver connait combien nèg qui en dans la prison là dans New York City. Ou capable arriver connait combien fois que gagne des machines bombes qui l'a déposé par exemple à Times Square. Ou capable arriver connait combien fois que gagne des bombes qui t'a préparé pour t'aller exposer des ponts par exemple. Ou qu'a seulement réalisé que l'homme monte Brooklyn Bridge par exemple ou toujours gagne police avant rentrer gagne police on pas jamais connait pour qui raison il y a pas de connait là avant nous pas besoin aller loin on était là dans petit environnement que moi avec ou nous hier ça Haïti ou t'a dit l'on sorti obligé songer prier parce que gagne dans l'eau mais zingle de tout yon moun yo tout des moun. Alors, je dis que yon moun, tu es deux moun, non? Je dis yon moun à la fois, deux moun à la fois. Mais monsieur Sayoua, yon touye des milliers par seconde.
Je veux comprendre dans quel temps que vous vivez. Donc, c'est une façon pour dire que, et si vous apprenez, chers amis, quelques bilans de cette dernière guerre qui est faite dans le monde, particulièrement cette guerre qu'on avait appelée tempête du désert en Irak. Ah, le monde est devenu invivable. Et le système de sécurité dans le monde vient tellement une grande préoccupation qu'à la tribune des Nations Unies à New York, quelques années de cela, il y a un grand diplomate qui a pris la parole dans l'occasion et dit « Le temps de prier pour l'humanité est enfin arrivé. » Parce qu'il a réalisé, seul monde qui a dit « Oh là, dans ce qui a passé dans le monde qu'on y est là, c'est celle l'Éternel des armées. » Par quoi ou bien assuré pour ne pas continuer à prier? Parce qu'on a dormi non à souhait et puis avant nuit la fini ou temps passé. L'insécurité mondiale. Dans Luc 21, verset 9 à 10, qui presque répétait les mêmes choses. L'aggravation des catastrophes naturelles. Non, verset 7 et 8, là encore, toujours Matthieu, chapitre 24. Il dit, il y aura en divers lieux des famines. Il y aura des tremblements de terre. M'pas vle faire peur. T'es toujours des tremblements de terre. Pas vrai? T'es toujours des tremblements de terre. Exemple. Lorsque Moïse approcha de la montagne de Dieu, la terre trembla. Pas vrai? Lorsque Jésus a rentré dans le tombeau, la terre trembla. Il y a toujours un tremblement de terre. Mais, pour nous qui faisons nos affaires technologie, essayez de faire une recherche sur la quantité de tremblements de terre qui passaient par année. Et puis, vous pouvez que vous dites que, ah, son nombre qu'on n'a pas qu'à contrôler tellement grand pile tremblement de terre qui fait. Cependant, gagné non yo yo négligé à l'échelle de Richter, gagné que yo négligé, mais ça yo qui dépassait 3.0 parce que là on commençait qu'à sentir secousse là, gon bonne qui passait ou pas senti secousse là. Mais appareil yo gagné ressenti enregistré. Mais ça yo que nous ka senti yo, c'est ça qui commençait à partir de 3.0. On peut garder de ça yo pour pouvoir yon bagaille. À la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire vers le 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, c'était chaque siècle qu'on entendait un tremblement de terre, un enregistré. Chaque siècle. Mais lorsque nous venons rentrer dans le 20e siècle, c'est-à-dire de 1900 à 2000, on commençait à entendre 9-10 par année. Il était sorti dans chaque siècle. Il commençait à descendre chaque 50 ans. Après, il commençait à tomber dans 10 par année. Et en 2010, pourtant, moi, avec où nous songeons, tu sais combien, nous ne pouvons pas compter combien qui est passé dans cette année de 2010. Je ne vais pas courir songer à Haïti parce que ce n'est pas Haïti qui prend plus gros. Vous songez qui est-ce qui prend plus gros? C'était le Japon. C'est pour la première fois que mon bateau a reposé sous Dokai. Et nous avons regardé dans la télévision, nous avons vu ça que tu as gagné. Parce que Haïti, nous avons un tremblement de terre, 7 points, combien? Nous victimes, nous sommes victimes, parce que nous n'avons pas de structure pour recevoir coup comme ça. Ils ne sont pas obligés de faire des dégâts comme ça. Cependant, ils ont même au Japon, ils ont une structure pour ça. Après tremblement de la 9 points combien, il y a un tsunami déclenché. Il y a un tsunami qui s'allier. C'est une vague d'eau qui déplaçait en grande vitesse et qui est capable d'atteindre des hauteurs qui arrivaient jusqu'à 20 mètres de hauteur. Et même plus haut que ça. Ça permet lorsque la masse d'eau est déplacée, il a monté caille. Il levait bateau, bateau en laisse en haut de l'eau, bateau était, l'a déposé sous Doyon Kai. Nous pas de tsunami la Kai.
Et vous pouvez comprendre une chose simple. Si la machine va conduire, pendant que vous allez conduire, vous tendez le bon petit bruit, crop, crop, ça le dit, il annonce que vous pouvez gagner. Mais si au fur et à mesure qu'on y est, vous rentrez là, vous ne pouvez pas même payer attention à ça, ou pas que machine, vous reprenez encore sorti, vous retournez en entrée. Mais au fur et à mesure, vous réalisez que brillant a répété plus vite. Vous commencez à dire crop, 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 crop. Vous dites, ah, faut commencer à penser à un boss parce que je vais en panne. Et si vous n'êtes pas prêt à chercher un boss pour lui, vous allez dire crop, 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 crop. Ça veut dire, progressivement, autant de fois que brillant a répété plus, ça veut dire que. Empiré. Donc c'est même j'ai entouré avec ce tremblement de terre. Ils ont répété tellement souvent qu'ils ont dit nous tout ah non quand il est souqué sa terre absouqué agon souqué la absouqué la absouqué net. Bah on soulève même. Gon souqué la absouqué la tout souqué net. Mais l'Éternel bien contrôle là. Il quitte le souk en pile comme ça pour faire pour dire ah non. Vous me gardez ça qui a passé. Il y a des événements, bon Dieu, permettent qui t'est arrivé dans la vie, bon côté, sauf parce que vous le dites, manière réfléchi. Ce sont des avertissements. Pas inquiétez-vous. Il poko a gagné un tremblement de terre qui a détruit le monde entier en seul coup. Pas gagné parce que la promesse de Dieu dans la Bible, il y a un jugement pour faire. C'est tellement vrai que dans une période qui a arrivé au cours de la 70e semaine de Daniel, moun après chercher la mort pas besoin. Pendant qu'on y a moun pas voulu mourir, laisse moun après envie mourir. Mais la mort dit, m'pas voulu, m'pas besoin. On va nous quitter ça pour un autre. Revenons à nos moutons. Aggravation des catastrophes naturelles. Nous avons lu un documentaire qui fait qu'on est que yo prévoit que dans quelques années à venir, kagayen yon gros tonton tsunami qui a déclenché dans l'océan Pacifique. Parce que gayen yon pointe monde qui aurait les archipels, alors pas archipel. Archipel c'est groupe d'îles, on presqu'île. Son presqu'île on flanc de un volcan qui était éclaté longtemps déjà que aurait les Kalaweya Iki. On sait non on a langue pays moun yo. Yo estime que flamandan penché et que au jour le jour l'ab l'ouvri. Yo espéré que dans quelques années encore peut-être que le capable tomber dans l'océan. Dans l'océan Pacifique. Or, yo mesuré bon wash là que li mesuré en total 150 km cubes. 150 km cube. Oh, moi avec nous songer un petit monde, yo t'ai appris nous le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède qui dit tout corps plongé dans l'eau exerce une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé par la partie immergée. C'est à quoi ça t'a dit? Donc là on peut imaginer. Prenons une masse roche de 150 km cubes, pleine de rentrer dans de l'eau, et que quand c'est de l'eau, ça a d'après le principe d'Archimède, qu'à pomper monter. Vous prévoit que des zones comme l'Alaska, le Chili, le Japon, Tahiti, California, vont immerger en bas de l'eau, si ça arrive et fait. Mais, bon Dieu en contrôle. Ce sont des signes qui seulement disent non. Gardez qui les lit. Il n'y a pas seulement ça. On parle aussi des signes dans le ciel, pas vrai? Ah, depuis la comète de Halley, l'homme va suspendre lever les yeux en l'air puis admirer les choses qui se passent dans le ciel. Il suffit que monter sur Internet et puis Google. Moi, je mets en français, j'en ouvre bien en anglais. Sign in the heaven, or sign in the sky. Ou bien signe dans le ciel, j'en voulais. Et puis, je vais
grande information que y a baou qui sorti de la NASA qui a dit bagaille a observé. Sans compter plusieurs incidents que déjà gagné sous planète noire avec phénomène yorélé. Regarde, un bon phénomène, mais parmi eux, il y a El Niño et La Niña. El Niño, son phénomène qui traduit par une hausse exagérée de la température. L'El fait chaud, il fait trop chaud. Et en conséquence de El Niño, il y a La Niña, reverse là, qui met en pile la pluie. L'El la pluie tombe, il met pile plus la pluie de ça que tu dois tomber. Ça vient faire que c'est tantôt, conséquence de ça, il détruit culture. Il fait que pas de manger de produits assez, donc dans pile côté, grand goût tout le monde. La famine. N'est-ce pas parlé parfois que vous observez des soucoupes volantes, ça que vous avez désigné sous un sigle en français, OVNI, objet volant non identifié. Parce que vous n'avez pas connu, vous n'avez pas connu côté, vous sorti, vous juste flandé dans l'espace. Et en pile dans l'eau, tombé sur la terre. C'était l'année dernière. Nous avons regardé dans la nouvelle que tu as des fragments de corps célestes, des météorites qui sont tombés dans la Russie. L'année dernière, en 2013, là. Des signes dans le ciel. Tout ça, vous voulez dire, nous, gardez qu'il est lié. Matthieu 24, le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Nous pouvons arriver dans ça. Il y a aussi dans le verset 10 et le verset 12, une augmentation du mal. Ah, l'homme a été méchant, mais l'homme, on dirait, est devenu plus méchant au jour le jour. L'homme vient plus insensible. L'homme vient plus égoïste, l'homme vient plus traite, l'homme vient plus malicieux. Surtout autant que connaissance a développé avec technologie, si on a plus secret, plus recette, on fait mon mal. C'est tellement vrai que la Bible même dit l'iniquité se sera accrue et que la charité du plus grand nombre se refroidira. En pile monde, faisons un petit constat. Est-ce qu'on réalise que l'œuvre missionnaire n'a pas gagné l'argent encore? Vous êtes capable de comprendre ça que je me dis? Faut un leader dans l'évangile, ou un homme qui a fait évangélisation, qui a fait mission, pour réaliser que pas gagné l'argent encore. Faut comprendre que grand pile aide l'État pour aider l'Église à faire œuvre sociale, l'État coupé aide ça. Toujours un petit crasse qui était, oui. Toujours un petit crasse qui était. Mais pas gagné en abondance, j'en que le théier encore. L'État coupé, tout. Et pire est, lui-même gagné des tax exemption que l'État et qu'on baille l'Église, il a augmenté les critères qu'on doit remplir pour qu'on baille qu'on y est. C'est-à-dire qu'il est plus difficile au jour le jour. Il a dit l'Église pas gagné protection que le théier gagné longtemps. Et n'a pas arrivé dans le point ça à Piba. Non seulement il y a l'augmentation du mal à un point tel que dans Luc chapitre 18, quoi c'est le verset 5, Jésus posait une question, il n'a pas de réponse là, mais il n'a pas de personne pour bailler non plus. Dans Luc chapitre 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit le pape joindre la foi, non? Mais il pose des questions. Il n'a pas dit le pape joindre la foi. Il seulement pose des questions. Non, Jean Bagayo a parlé là. Ou quoi le temps pour Jésus venir tout bon vrai? Est-ce qu'il y a bien la foi toujours? Parce que nous vivons dans un monde où les gens oublient ou bien renier ou bien rejeter la foi dans mon Dieu pour dégriller. Parce que Bagayo vient tellement dur. Ah, frère, c'est bon pied chapé, mauvais corps, oui.
Eh, mais petit, tu sais, vous connaissez qui est petit pour nous mourir sous contrôle, non? Allez-vous, tout le monde sait même pas ce qu'il a fait. Dans Esaïe 59, je me fais son texte en créole là. Esaïe 59, c'est le dernier verset, ah oui. En français, elle dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se tue. C'est pas 59, mais oui. Non. Non, c'est pas 59, c'est pas 59. Ah, on va excuser moi, texte dans l'échappé, moi tout petit, mais ma batte me songe, li, quand même, ma venu sous les pour. Son texte qui dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se tue. Verset 15. Ah, merci frère. Esaïe 59, c'est effectivement ça. Le verset 15. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Dans la version que l'on a dit, pas de monde sérieux encore, sous pas fait tant que tout le monde se roule cap en bas. Voilà ça qui a dirigé l'église qu'on y est. Pour tout le monde, c'est que pas de monde sérieux encore, sous pas fait tant que tout le monde se roule cap en bas. En fait, tout le monde, non mais c'est ça qui vient jouer, c'est ça lié, tout le monde l'a dit quoi. Mais pas jamais oublier, pas jamais lire un grand verset en bien fond doctrine avec. Prends temps pour lire tout ça qui dit avant verset, lire ça qui dit après verset. Le prophète Esaïe essaie de plaindre, d'exposer ses complaintes devant l'Éternel. Son prière de confession que Esaïe a fait. Et puis il a expliqué comment que peuple la guerre en péché, péché vient tellement comme la caillou que tout le monde yon a suivi l'autre. C'est pas dit, dit pour le marché faire ça nous voulons vrai. C'est pas ça le dit. Continuez le texte pour vous. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Il n'a pas une licence pour le faire pécher. Au contraire, il traduit un sentiment de honte de ce que, à l'intérieur du peuple de Dieu, pas que personne ne peut chercher à faire ça qui est bon. Tout le monde rentre dans tout le monde, c'est dos. Et c'est ça que moi, avec, on n'a pas assisté aujourd'hui. Pour jouer un footstep, pour jouer un week, pour jouer un avantage l'État. Chrétien blié si yon chrétien, yon dépose la kaye la, et bien, al... vous comprenez ça m'blé dit ya. La vérité a disparu. Pas de monde sérieux encore, si ou pas fait tant que tout le monde, c'est ou cap en bas, et puis yon prend, yon canalé là-dedans. Retournez parce que son route lié. On retourne. So, à côté de l'augmentation du mal, il y a aussi le déclin religieux. Pas de jambes gagnent tant qui pis mal que tant ça n'a vivre là, côté que l'église n'a pas gagné aucun sens, aucune valeur sur aucun monde. Longtemps, l'autre petit monde en Haïti et même ici. Ou après, les gens qui ont passé, que ce soit devant l'église catholique, s'il tape jouer gros musique, les camper. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ou pas, je n'ai un monde qui est dans l'église, qui doit passer devant l'église pour ne pas camper, il fait. Même si peut-être c'est une hypocrisie, je n'ai pas besoin qu'on ait, mais en tout cas, visiblement, il montre qu'il y a un respect. Je suis une dame qui aurait les yaïs qui est dans le quartier de la caille. Il dit pas de côté pour un monde qui manque de la prière pour un mot. Il dit seul devant l'église, je ne peux pas jouer. Au moins qu'on ait l'église. Donc, si vous voulez emmerder pour ne pas jouer, veuillez la passer devant l'église catholique. Là, elle ne peut pas jouer parce qu'elle a respect pour là. Mais je dis, ce n'est pas ça. Je dis, les gens jouent dans l'église Jean-Yovelé. Les gens pompent dans l'église Jean-Yovelé. Les gens disent bêtises dans l'église Jean-Yovelé. Les gens font zin dans l'église Jean-Yovelé. Les gens gourmet dans l'église Jean-Yovelé. Il n'y a aucun respect pour le lieu sacré. Amen.
Et ça, c'est un signe de la fin des temps. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Mais ça que je lis dans la Bible qui est dans même nom. Sache que dans les derniers jours, qu'il est dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hôtés, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et si vous avez fait un garde depuis devant, dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4, il viendra un temps, le dernier jour, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ah, qu'on a souvent un pasteur dans l'église, il faut chercher 10 barres fidèles, mais attendez. Ou pas dit bagay, yore m'étende ou paladol. Y'a pimpe ou allé. En pile pasteur, blie sa yote konne. En pile pasteur, accepte, pate avec chiclette, quelques pages dans la Bible. Parce que Boska paye yoa, dit moi même, c'est men, alors moun de la kara comme pat nem nan, parce que m'a cherché identifier moi. C'est même sexe lié avec moi. Et comme c'est moi qui ai pris le gros dîme l'église là, sous besoin de conserver le poste, sous besoin de belle machine ça, hein? Mais ça m'a voulu faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui désigne qui doit être le pasteur de l'église. Mais c'est qui est-ce qui est plus bon pas nous. Si vous trouvez vide pour combler, chaque nègre moun pa ou de poche yo, yo vin défendre ni. Et sous ta gen malè, pou ta di non si la pa répond à ça la Bible dit. Mon cher, sans lè, ouais, janvier, avant Noël. Ça c'est signe qui dit ce déclin religieux, la religion cesse de réglementer la discipline de l'homme. Moun pa ba la Bible, réglant rien pour yo. Moun pa ba l'évangile, réglant rien pour yo. Les exhortations de la Bible, l'on parle moun de yo. Ça c'est le passé, ça c'est démodé. Mais le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Et pour ce monde, en quête de dérive, besoin seul modèle, la Bible comme boussole. Non seulement il y a le déclin religieux que nous jouons dans Matthieu 24, les versets 37 à 39, que je ne peux pas lire pour vous. Il y a aussi l'oppression que nous jouons dans verset 9 là. Yon a maltraité l'autre. Yon a exploité l'autre. Injustice tribobaba. C'est tellement vrai, chers amis. Pendant que n'a parlé que des misères dans le monde. Femme du tout que c'est un autre que le monde a vu plus riche. Ça qui est plus riche a vu plus riche. Et ça qui est pauvre a vu plus pauvre. L'écart toujours était grandissant. Et le pape jamais changé. Pas inquiéto. Battre pour continuer. Dis notre Père plus souvent parce que c'est dans notre Père où je viens de secours. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce n'est pas l'Éternel qui t'a baillé moi avec ou le pain quotidien. C'est pour les hommes, nous ne pouvons pas jouer ni. Bon, garantis ça. Laissez-moi songer un petit bagage simple dans ce système ça. Qui est-ce qui paye taxes? C'est moi avant. Gros bachayo,
Yo patronne campagne électorale à chef, yo pas payé taxe après ça. Mais c'est où qui travaille dans le facteur, c'est où qui paye taxe là. Et lorsque ARS a tombé dans le cahier comptable, yo, yo montre que toute taxe payée, qu'est-ce qui paye l'employé yo? Mais et compagnie en lui-même, qui ça le paye? Nad Marinade. C'est où paye toute taxe. Et yon n'en barre qui va payer toute taxe, c'est parce que chrétien tout. Pour qui ça? Ou qu'on est fort travail. La Bible dit, sous pas travail, ou pas de manger. Parce que n'est qui chrétien, il n'y a pas qu'à paresser. Il n'y a pas qu'à ne caler ouest. Il n'y a pas qu'à vivre sous monde. Ça, c'est une discipline que la chrétienté ba ou. Il apprend nous vivre avec fierté, avec dignité. Ou pas qu'à mendier. On nous retourne. Ou que deux possibilités pour capable bien vivre dans le pays ça. C'est ou bien on pas faire rien du tout. Yo boyon 4 week, yo boyon. Bon nous connaissons ça au bail là. C'est pas bon pas bon, sou ka prendre, debout on prend. Parce que petit tout travail pour lui. Nié sous travail pour lui. Et puis yo pas ka joindre ni. Pour $1 ou faire en plus ou pas ka gagner Medicaid. Ou pas qu'à gagner médical lorsque c'est trotté ou à trotté pour payer caille là. Le poids louer un caille côté malheureux rete yo qu'on va pas le payer $1,200 pour une chambre à coucher, $1,300 pour deux chambres à coucher, alouette deux chambres à coucher. Yo dit ou faut faire $45,000 par an. Combien on a fait $45,000 par an? Mais obligé trotté parce qu'on bat pour vivre dans dignité, pas vrai? L'autre n'a pas qu'à de ça. Il n'a pas travaillé même. Qui est comme vous? Zéro. Ah, ou une nécessité. Mais quatre. Et puis l'on paraît dans le délit. Pendant que vous trottez, vous veillez pour compter sous aiguilles. Qui sont capables? Comment on peut le débrouiller ou couper le millier de morceaux pour baisser les gens? Et puis pas avec gros quatre lits. Et ça. Il prend ça. Il prend ça. Il met le cariche lit. Il partit en haut de moi avant. Mais société que nous vivons là-dedans. Ça qui riche, à plus riche, ça qui pauvre, à plus pauvre. Une société d'injustice et d'oppression. Une société de faux prophètes. En pile nègre inspiré par de mauvais désirs, mauvaises intentions. Ils ont fait tête au passé comme grand prédicateur. Ils ont marché à droite, à gauche, à le chercher. Bah, si c'est d'où il a cherché, mais qui ça a cherché? Nous connaissons particulièrement dans la zone Afrique, la religion mêlée. Et que c'est permis que ou capable à la fois chrétien et que ou l'autre moyen ou demain. Il y a le pasteur demain. Et puis l'autre des messieurs sorti en Afrique comme ça, il y a eu contact avec quelques vieux Africains qui ne parlent jamais convertis. Et puis on commence à vivre dans ce forme miracle devant pour montrer que c'est eux qui ont puissance. Tantôt on souffle pour vous, sous vous, puis on faut tomber. Des démonstrations de fausse puissance. On va finir de comprendre que c'est eux qui ont Saint-Esprit ou pas de Saint-Esprit vrai. Je ne sais pas si c'est eux qui ont soufflé sous soeur. Lorsque tu es dans une situation, ça te met le campé. Même comprendre que c'est la main de Dieu qui t'a mis dans le campé. Lorsque Pierre, Jacques et Jean te paraissent devant nous, ça te boiteux devant porte la belle. Il ne te faut qu'il s'y marie devant. Il te seulement dit, je ne pague ni l'argent, ni l'eau pour m'baou. Mais ça me ma baoule. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Tout miracle doit être fait seulement au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre simagri qui rentre là-dedans. Il y a des gens qui disent, ah, l'huile sainte, l'huile ça, mes amis, oh, c'est un juif, c'est un Israël qui porte le bambadou, pas de l'huile, non, maman. Excusez-moi. Mais seulement dit la prière du juste. L'homme vrai en danger, on compte ça qui passe. L'élève a besoin de livres, ce n'est pas l'huile, on ne peut pas le prendre. On cherche l'huile à droite, à gauche, ou pas jouer ni l'élève, on dit, oh, l'éternel, même pas le mourir vrai. Il a dit, bien, bon, c'est là pour connaître. Ce n'est pas l'huile qui a délivré, mais c'est moi-même. De faux religieux dans l'église ces derniers jours. Et dernier signe, alors il y a plusieurs toujours que je dois dire, mais tant courir,
Mais il est déjà 10 heures. Il y a un gros signe qui dit nous que joie réellement arrivée. Qu'est-ce qui est lié? La présence d'Israël. Toutes les prophéties que nous avons gardées dans le livre de Daniel concernant qui pays y est? Israël. Matthieu 24, que nous sommes capables de considérer comme une prophétie à double allure. Ça veut dire une prophétie à double allure. Une prophétie à double allure, c'est une prophétie qui est là dans une partie qui doit exécuter dans le temps présent et une autre partie qui est réservée pour l'avenir. Son prophétie à double allure. Yon bonne partie là-dedans était effectivement arrivée en l'an 70. Lorsque Néron a pas incendié la ville de Rome et livré les chrétiens à la vengeance populaire. Titus pour mener une campagne pour exterminer les chrétiens. Est-ce que vous n'avez pas été dispersé, vrai? Oui. Effectivement, depuis 70 après Jésus-Christ, pas de jambes gon côté dans le monde, yo te rele Israël. Les Juifs ont été éparpillés à travers le monde. Éparpillés à travers le monde. De l'an 70 après Jésus-Christ, yo te rele yo la diaspora. L'on paraît à Haïti ou frappé l'estomac ou du diaspora ou pas diaspora. Ça ne faut pas diaspora d'après vous. C'est parce que ou sorti États-Unis, ou c'est haïtien, gagner yon pays, yon rele Haïti, si yon pousse dollars, ou ap retourne Haïti. Si là c'est dominicain, si yon pousse dollars ici, aux États-Unis, yon pays yon rele République dominicaine, la pralè en République dominicaine. Mais dans la période ça, sous contrat avec yon juif, ou pousse dollars aller, pas gagner yon pays yon rele Israël pour la dan. Son l'autre côté qu'on obligé de recevoir. C'est ça où est la diaspora. Mais, sous nos yeux, le 29 novembre 1947, à la tribune des Nations Unies à New York, on a voté la reconnaissance de l'État d'Israël. Le 29 novembre 1947, officiellement, vient gagner un pays encore que relé Israël. Or, les prophéties bibliques concernant le temps de la fin, ils concernaient Israël. Pour y arriver à accomplir, faut qu'Israël là. L'Éternel mettait Israël campé là. Pour que le calendrier a recommencé l'activité. Ça, c'est un gros signe. Et si vous regardez dans la prophétie de Zacharie, oh non, on a quitté ça. Des prophéties qui concernaient Israël et qui ont pour ça qui a passé dans le Moyen-Orient. C'est normal pour y passer et m'en garantie, il n'y aura jamais la paix dans le Moyen-Orient. Il n'y aura jamais la paix. On nous campe là pour assurer parce que demain, nous prenons un petit temps pour nous considérer avec vous. C'est une prophétie de Zacharie chapitre 12 et de Zacharie chapitre 14 concernant Israël. La permet de comprendre ce qui a passé dans le Moyen-Orient actuellement. Mais entre-temps, nous avons pile signe qui dit nous que joie va s'arriver. Et dernier signe que me dit là, il concerne Israël. Laissez-moi conseiller tout le monde dernier. Moi te dis pas dire encore mais laissez-moi prendre dernier ça. M'a juste fait lecture là pour. C'est 2 Pierre chapitre 3. Et ça, c'est une question qui peut-être qu'a monté dans l'esprit ou monté dans l'esprit n'importe monde qui va parler avec lui pour dire que Jésus a venu tout bon vrai. Mais ça, le cas répond nous. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre. Verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant,
où est la promesse de sa venue? Qui question pour le poser? Où est la promesse? Depuis que petit me tendait à faire Jésus a venu ça. Donc laissez-moi repos. Et le texte continue. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Depuis les Jésus étaient là, on dit, malais, m'a tourné, t'allais comme ça. Mais il y a plus que 2000 ans passés, nous pas jamais voir Jésus. Hein? Papa mourit, grand-papa mourit, bagaille était Jean-Yoyer. On continue à lire. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de l'Éternel. Des cieux existèrent autrefois. Vous songez hier soir, ça me dit où? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée. Vous savez, ça me dit où qui était passé? Voilà le texte qui confirmait lui. Des cieux existaient avant ça. Par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. C'est-à-dire, t'es une terre qui existait. T'es une des cieux qui existait. Qui t'est effacé. Continuez le texte là. Et que par ces choses, le monde d'alors périt. Submergé par l'eau. Et pas oublier premier bagaille que bon Dieu a pris le faire. La pral séparer lumière et ténèbres. Ensuite, la pral séparer partie humide l'eau pour le mer et partie sec pour le terre. C'est premier bagaille bon Dieu a pris le faire dans la deuxième création. Consultez Genèse chapitre 1er. Consultez-le. Que m'te commentez-le pour hier soir. Lorsque m'te parlé de cette chute. De l'astre brillant qui était au trône de Dieu, mais qui a été précipité. On te parle de ça hier soir, ouais, texte là encore. On allait. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, c'est pas même ça qui existe avant, d'à présent, ça moi avec vous, là dans le cogné là, côté Adam et Ève te fait là, à son l'autre lié, d'à présent, sont gardés. Est réservé pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, chers amis, la réponse à toutes vos inquiétudes. Tout ça me soit dit là, au tremblement de terre, famine, grand goût, injustice. Il y a tout ce qu'on fait depuis longtemps, s'il continuait les mêmes choses. Où est la promesse de sa venue? Dieu ne tarde pas. Dieu n'oublie pas. Il ne veut pas que nous périssions. Il nous donne l'occasion de repentir. Comprenez la bonté de Dieu et changez fusil d'épaule. Que le Seigneur vous bénisse.